sont en train de me faire virer fou. Pourquoi qu'il y a rien qui marche? Puis en plus, je clique partout au lieu d'essayer d'arranger ça pour du vrai. Pour de vrai. Il peint sur Echam depuis tantôt pis il comprend pas. T'as l'arnaque d'enlever la marde. Mais gros, là, il me niaise, s'il vous plaît. Fetching Realm, ça va-tu finir par apparaître? Il va quitter ma gueule, genre. Hein? Hey, oui. Ah, Demson même, hein? Hey. C'est toi qui m'as dit de le faire dans l'anus. Est-ce que c'était parfait? Ouais. Tu le sentais dans sa voix qui était comme « Moi, je voulais pas! » C'était ton idée de merde. Il y a une petite madame dans la rue qui me regarde dans un gros patch. Là, fixe-la! Fixe-la! C'est drôle! Mais c'est ça que je fais. Ça me buzz, elle est dans la rue, puis elle marche, puis elle regarde sur mon terrain. Tu ouvres la fenêtre, puis tu fais là. Elle vient de s'arrêter pour me regarder. C'est un gros crash de bac. Ok, ouais, c'est bien la voisine. Ah, oh, ok! Pourquoi elle m'aime pas, gros, je te dis? Je pense qu'elle m'a déjà vu fumer dans mon... Hey, non, je peux pas dire des affaires de même. En tout cas, j'ai perdu mon permis, les boys. Je pense qu'elle m'a vu fumer dans mon char, puis repartir avec mon char. La police, elle m'attendait en haut de ma côte quand je me suis fait coller. Genre, pas elle m'attendait, mais moi, je suis sûr qu'elle m'attendait. C'était trop, genre, aussitôt qu'ils m'ont vu rentrer dans le cours, ils sont venus, ils ont jamais qu'il y a de police dans cette petite rue-là. Jamais, 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 il n'y a aucune raison. Mais cette fois-là, oui. Fait que je suis sûr c'est elle qui m'a snitch. Elle m'a vu me crosser une couple de fois, c'est sûr et certain. Ah gros, ça c'est traumatisant quand tu te rends compte que tout le monde peut te voir. C'est clair, oui. J'étais comme, c'est sûr qu'elle a vu mon pénis en érection une couple de fois, mais là-bas. J'espère qu'elle a aimé ça. Je peux aller demander. Il était comment le pénis à Charles? Ça a dû faire du bien à son âge, ça fait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Puis là, elle est déçue parce qu'elle te voit Jeff, et comme Jeff, il se crosse pas assez à l'avant de la fenêtre. Oh non! Là, je te voyais juste devant la fenêtre de bout en train de te passer en regardant dans le paysage. C'est beau dehors! Oh, l'automne! Ma saison préférée! La couleur! Le rouge, l'orange! Faut que j'arrange le portail, tu disais? Le mien, ouais, il faudrait que tu mettes genre deux obsidiennes, puis tu le rallumes. Arrange-toi avec la petitienne. Non, mais je pensais que tu n'aurais eu en réserve. Ouais, j'en ai en réserve. Mais sinon, je dois en avoir deux, le pire. Mais c'est à moi. C'est à moi. Ah, j'en ai deux. Ah, j'en ai huit! Sinon, j'avais des bûches, puis on aurait eu de la lave, peut-être. C'est un saut. J'ai essayé, bon. Ben trop compliqué. Chou! Moi aussi, je commence à avoir une collection de chameaux dans ma salle de coffre. Oh! Hey, des calices, gros, je suis juste un chameau-là, non. Bon. RIP. À job, on entendait un avion, pis il n'y avait pas d'avion. On entendait un avion. Ah non, mais pour vrai, ça a buzzé. L'avion, il sonnait vraiment au-dessus de notre tête. On l'a cherché pendant 5 minutes, et si on l'a jamais trouvé. Il était peut-être en haut des nuages. Non, il n'y avait pas de nuages. Il y avait zéro nuage. C'était beau. Pis ça sonnait pas genre trop loin, là. Tu sais, quand tu vois un avion à l'autre bout du monde. Non, ils font pas de nuages blancs. Ouais, ils doivent faire des nuages blancs. C'est quoi qui fait des petits nuages blancs? Ben, genre des petites lignes blanches. C'est des avions. C'est les chemtrails. C'est des poisons, Jeffrey, qui nous injectent pour nous contrôler. Ah, oh, tabarnak.
Après la 5G, il y a ça. Non, c'est avant la 5G, Calis. On s'est fait avoir, ça fait ben trop longtemps. Oh non. T'as-tu un coffre chez vous pour les petites graines de blé? Ouais, j'ai un coffre à graines. Un coffre? C'est juste ça que je voulais que tu dises. Collectionne ça, moi. Les graines. Une graine pour le toi, une graine pour le moi, une graine pour le toi. Ah! Jeffrey, t'as pas catché ma tristesse quand j'ai vu que les Endermen évitaient toutes les flèches. Comment je me suis fait niquer ma race, là? Qu'est-ce que ça va mal avec le joystick? Pis ça, faut que tu t'ajoutes un ordi. Faut que je rajoute une Switch avant. Non. Mais oui, parce que ma Switch, elle va me lâcher. Je la trosse pas, le style de joystick. C'est clair que tu vas te die. Déjà, je jouais à Skyrim, puis je me demandais des fois si c'était le jeu qui laguait pour certaines places ou si c'était mon joystick qui s'arrêtait pour rien. Sur Pokémon, ça paraît quasiment pas parce que tu te déplaces pas tant que ça pour faire de la recherche au Shiny. Au Shiny. Est-ce que j'ai de la misère avec Sasso Shiny? Sasso Shiny. Chasse au shiny. Moi j'ai l'air retardé à chaque fois que je le dis. Mais je suis mis de marcher sèche, on peut le sèche ou archi sèche? Elles sont trempées! Elles sont mouillées, sa mère! j'ai regardé Terracid, c'est une vieille vidéo, il faisait des contests avec d'autres youtubeurs sur Minecraft. Puis un de ces youtubeurs-là, qui s'appelle Linka, il a fini par... Il dit, c'est ça, j'ai regardé des vidéos pour pouvoir vous battre à ce jeu-là. Il dit, les vidéos, Aurélien Sama, il m'a tout montré. Oh! Puis là, tout le monde était comme, hey, what the fuck? Il était comme, c'est qui? T'es rendu avec un sensei? Puis là, il était là, attends, je vais mettre les apprentissages d'Aurélien Sama en action. J'étais comme, tabarnak. Ouais, pour finir par dire, Aurélien, c'est un menteur. Il a dit ça? Ouais, ils ont fini par dire, Aurélien, c'est un menteur, il nous a mis, ce tuto, ça marche pas. Voilà un arnaque. Dans chaque coin du monde, cette arnaque existe. Ils vous le demandent de vous rentrer un doigt dans le péteux. Ne le faites pas. Ils vous voleront votre portefeuille pendant que vous avez les doigts dans le cul. Fait juste 6 fois que je me fais avoir ce mois-ci. Mes doigts sentent pas bon. Je me suis fait une araignée de compagnie. Non! Il était gentil avec moi! Donc... Je reste loin des habitations. Jeffrey! Il me reste deux cœurs! Ta gueule! Ah. Je l'ai fait dire le chien là! Maison, esti! Ah ouais, Tabby, esti. Rends ton cul. On sait que tu vas mourir bientôt, tu craveras pas là-bas, là. Tabby aura eu une vie difficile et pas si... Ben, pour vrai, on l'a pas frappé à rien. Et on l'a traité semi comme du monde. Il a eu une vie correcte. Puis je dis « on ». Et... Non. Je crois pas. Non, mais il est passé à l'intérieur d'une roue de char, par exemple. Hein? Ouais, ben, il s'allait se pogner dans la roue pendant que ma mère s'en allait, puis il a fait un tour, là. Hein? Ouais. D'après moi, il a pas passé en dessous, là, il a plus fait un genre de 280, là. Hein?
Il a passé genre entre la roue pis l'aile du char, genre. Ouais. C'est un bim, man. Il a une vie dure, pareil. Mais il a survécu, pis il a survécu sans séquelles. Bon, il a un peu peur, mais sans séquelles. Regardez la face. Même pas à croire qu'il n'y a pas de Non, séquelles. il était comme ça avant. Mais je pense que ma mère, c'était vraiment parce qu'elle l'a ramassé d'après moi parce qu'il donnait, là. Faut pas croire qu'on a payé, on a pas payé pour ça, là. J'aurais pu m'acheter des bonbons avec ce cash-là. Mais moi, tout ce que Toby a fait pour moi dans ma vie, c'est m'enculer. Okay. Puis au sens littéral. J'avoue qu'Ivy a essayé de me piner aussi, fait que c'est pas si. Jeffrey? Il y a un. Attends, check, tu vas voir une flèche sortir d'un trou. Es-tu capable de venir me donner des blocs pour que je sorte de là? Sèche. As-tu réussi à sortir? Non? Ah. Je te dis, je suis pogné. Faudra que tu te suicides. Non, mais j'ai encore 43 de bouffe, là. Tiens. J'ai un feu d'artifice. Yeah! Je vais pouvoir me divertir. Tu fais pitié un peu, là. Non, je vais m'en sortir tout seul. Correct. J'ai trouvé du gravier. Ah! Qu'est-ce que tu t'en dis maintenant? Il est de retour! Ah! J'ai passé des années dans ce trou, Jeffrey. J'ai vu des choses horribles. T'auras pas mes cubes. Non, c'est mon gravier. Je l'ai trouvé, moi. Oh non, moi je peux plus monter par exemple. C'est mon bloc. C'est chien. C'est mon bloc. Ta gueule. J'ai 12. Non, non. T'es qu'une fois là. Oh, quand je suis revenu à cause de port. J'ai même pas eu le temps de profiter de ma liberté. Oh, la grosse merde. J'ai trouvé une insignifiante. Puis je te dis, mais que je sorte de là, Jeffrey, ça va être terrible. Bon, je peux pas me permettre de mourir. Fuck. Là, je pense que je me suis perdu. Bon, je vais me faire un verre, puis j'arrive. Oh non. Bah. J'ai réussi à trouver la sortie. Bah. Comme s'il serait étonné. Ah, ça marche-tu? Oh non. Déçu. Manque un bloc. Oh non, ça c'était pas voulu.
Jeffrey! Qu'est-ce que t'as fait? Jeffrey! Petite pute. Des crises. Ah! Culé! Savais plus comment nuire. Les échafauds. Ça fait mal, hein? Non! Oh non, je n'ai plus. Oh non! Puis là, moi, je fais comment pour ressortir de là? J'ai trouvé. Lâche un piège! Enculé, merde. Ah, oh, puis je parle sur des blocs de lave! Ah! Pourquoi je réparais sur des blocs ma bloc? Ah! Je peux apparaître de deux trous, l'autre pas qu'il m'aille, là. J'aime tuer tout seul avant que tu te tues. C'est pas juste. T'es trop solide. Faudrait que tu remontes. En train de tout dévoiler ma maison. Défends-moi! Défends-moi! Ah! Yeah! Ah, t'es épine! Ouais. C'est pour ça que je me tue! Ah ah! Ok. Je suis pas penché, attends. Ah ah, maintenant tu me trouveras plus. Ah, tu sais pas où je suis. Ah! Il est où? Il est là. Je t'ai groupé, comment tu fais? Ah.